L'émission CIST Canteloup fête cette année ses 10 ans. Le populaire humoriste a, pour l'occasion, donné une interview exclusive au journal Sud-Ouest, ce lundi 27 septembre 2021, dans laquelle il revient notamment sur la disparition récente de sa mère. Eliane Canteloup était âgée de 90 ans lorsqu'elle est décédée sur les terres familiales à Mérignac, Gironde, le 7 septembre dernier. Une horrible perte qui a été annoncée par Le Figaro. Nicolas Canteloup a bien voulu évoquer, avec beaucoup d'émotion, son retour dans le cocon familial. Ma famille habite toujours Mérignac. J'y suis revenu très récemment, hélas, car j'ai perdu ma maman il y a une quinzaine de jours. Habituellement, je viens 4 fois dans l'année, a-t-il fait savoir. Le Girondin a donc fait le déplacement chez lui pour assister à la cérémonie religieuse qui s'est déroulée le 9 septembre en l'église Saint-Vincent de Mérignac, puis à l'inhumation de la nonagénaire, au cimetière du Bourdelais Cap-Ferret. Un drame qui a touché le collègue d'Alessandra Sublet, qui a déjà perdu un être cher il y a des années de cela. En effet, lorsqu'il avait 17 ans, Nicolas Canteloup a perdu son frère, Jean-Paul, de 10 ans son aîné. Si y est-il une fracture de la vie? Mais si y est-il loin maintenant, avait-il confié au journal du dimanche en novembre 2014. J'aurais été heureux qu'il voie ce que je fais. À travers ma réussite, il y a peut-être aussi l'envie de donner du plaisir à mes parents. Leur rendre le sourire par une présence plus marquée d'un de leurs enfants. Ça a été une des conséquences heureuses de mon métier, a déclaré l'ancien chroniqueur qui officiait sur les ondes d'Europe 1.